Shalom, je reviens, bonjour, je continue la lecture de psaumes et proverbes. Aujourd'hui, mercredi, ouais. Alors, c'est la suite du psaume 78, donc du verset 12 au verset 39. Et il n'est pas en entier, puisque le 78 est très long. Donc, deuxième partie du psaume 78. 12 à 39. Contre leur père, il fit prodige en terre de Misraïm, au champ de Soan. Il fendit la mer et les fit passer. Il figea la mer comme une digue. Il les mena avec la nuée de jour et toute la nuit à la lumière du feu. Il fendit des rocs au désert et les abreuva comme d'abîmes multiples. Il fit jaillir des liquides du rocher et descendre comme des fleuves les eaux. Ils continuèrent encore à fauter contre lui, à se rebeller contre le suprême dans leur aigle. Ils éprouvèrent elle en leur cœur en demandant de la nourriture pour leur être. Ils parlèrent contre Elohim et dirent : pourra-t-il, elle, dresser une table au désert ? Voilà, il frappe le roc et les eaux en affluent. Les torrents déferlent, mais aussi du pain. Pourra-t-il en donner ? Ou apprêter de la viande pour son peuple ? De la viande ! Aussi, Yahuwah entendit. Il s'emporta. Un feu s'embrasa contre Yaakov et la fureur aussi montait contre Israël. Car ils n'adhérèrent pas à Elohim. Ils ne s'assurèrent pas en son salut. Il ordonna à l'éther en haut. Il ouvrit les portails des ciels et fit pleuvoir sur eux de la manne pour manger. La manne qui descend du ciel. Les céréales des ciels, il les leur donna. Le pain des meneurs, l'homme le mangea. Viadiclancé pour eux à satiété. Il députa le souffle du levant des ciels et conduisit dans son énergie le Théiman. Il fit pleuvoir sur eux comme une poussière de la viande. Et comme le sable des mers, la volatile ailée, c'était quoi? C'était la caille. Il le fit tomber au sein de son camp, autour de ses demeures. Ils mangèrent et se rassasièrent bien. Il fit venir pour eux ce qu'ils désiraient. Mais pas encore aliénés de leurs désirs, leur manger encore en bouche, la fureur d'Élohim monta contre eux. Il tua leurs obèses. Les adolescents d'Israël, il les fit ployer. En tout cela, ils fautèrent encore. Ils n'adhérèrent pas à ces prodiges. Il acheva leurs jours en fumée, leurs années dans l'affolement. S'il les tuait, il le consultait. Il retournait en quête d'elle, d'Elohim. Il mémorisait, oui, Elohim, leur roc, l'aile. Pas l'aile, l'aile, Elohim, elle. Apostrophe, E, L. Le suprême, leur racheteur. J'ai dit jusqu'au 39. Et là, dans la Chouraki, il y a écrit « Milieu du livre des louanges. » 36. Ils le séduisirent de leur bouche, de leur langue, ils le trompèrent. Mais leur cœur n'était pas ferme. Avec lui, ils n'adhéraient pas à son pacte. Mais lui, matriciel, absolvez le tort et ne détruisez pas. Il se multipliait à faire retourner sa fureur et n'éveillait pas toute sa fièvre. Il mémorisait le fait qu'ils sont chers, un souffle qui va et ne retourne pas. Fin de la portion du psaume. Et le proverbe, toujours le 25, hein, qu'on a commencé il n'y a pas longtemps, versets 6 et 7. Ne fais pas le magnifique devant le roi et ne te tiens pas dans la place des grands.
car il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » que si on t'abaissait devant celui qui est en dignité, lequel tes yeux auront vu. Hmm? Répétition. Proverbe chapitre 25, versets 6 et 7. Ne te mets pas en avant en présence du roi et ne t'attribue pas la place d'un grand personnage. Il vaut mieux qu'on te dise « reçois une fonction plus haute » que si on te rabaissait en faveur d'un notable. Oui, tout à fait d'accord. Oui. C'est répété d'une autre manière. C'est répété dans la Torah accomplie, appelée Nouveau Testament. Ah, merci Seigneur pour ta parole, merci pour tous tes bienfaits, merci pour ta fidélité qui est grande et ton amour qui durera toujours. Merci pour la santé, la vie, le mouvement, l'être, tout qui vient de toi. Merci Seigneur de ce que tu es là, toujours présent. Oui, je crois en ta parole. Oui, je crois que tu es la vérité. Oui, je crois que tu es l'éternel Je suis, qui a toujours été, qui sera toujours. Je bénis et je loue ton saint nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Tu es saint. Tu es saint. Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau. Amen. Loupai, pardon. Oui? Si Elie a écrit trop, on va la prendre dans les bras, on va prier ensemble. Oui? T'as vraiment encore fait une bêtise. Hein? Allez, on prie avec Elia et Saphir qui a fait encore la bêtise. Qui m'a pris quoi? Hein? J'ai fait tomber le vanish, le pulvérisateur. Elle m'a bouffé le bout. Maintenant, ça sort. Je ne sais pas comment je vais sortir. Il est neuf en plus. Oh, Seigneur! Assagis-moi cette saphir. J'ai même pas vu quand il est tombé le truc. Ah, il faut que je sois totalement à l'affût de tout. Que je laisse rien passer. Je n'ai droit à aucune erreur avec le chien. Quelle galère! Quelle galère que tu me fais. Donne-moi la patience, Seigneur. Donne-moi la vigilance optimale. Oh, Seigneur, je n'ai pas droit à l'erreur. Aide-moi, viens à mon secours. Le moindre truc qui tombe, hop, ça y est, elle va le bouffer. Elle va le bouffer. Merci Seigneur pour la vie, comme j'ai dit au début de ma prière. Merci pour ta parole. Merci pour les anges qui nous entourent. Merci pour la santé que nous avons. Bénis ceux qui sont malades, Seigneur. Pourvois leurs besoins, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Oui, tu me rachètes, oui, tu me délivres, oui, tu me secours, oui, tu me réponds. Ton oreille n'est pas sourde et ton bras n'est pas trop court. Merci pour ta fidélité. Aïe, tu me tires les cheveux, non, ça fait mal, je joue pas avec mes cheveux. Tiens. Merci pour ta fidélité, merci pour ta miséricorde qui est grande, pour ton amour qui durera toujours. Oui, je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Merci.
Merci Seigneur, car tu m'as cherché. Merci Seigneur, car tu m'as trouvé. Merci Seigneur, car tu m'as donné ton grand amour qui m'a libéré. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, tu l'as fait. Qui peut nous aimer comme toi, Père éternel? Qui peut nous aimer comme toi? Personne. Ton grand amour a été manifesté ici-bas, à travers notre Mashiach. Tu nous l'as envoyé, tu nous l'as donné. Il est venu dans une forme humaine. Humaine. Il a souffert toutes les tentations que nous pouvons connaître. Il a souffert dans son corps de la faim, de la soif, de la fatigue. Toutes ces choses que l'on connaît, Seigneur. Oh, nous ne pouvons pas dire, tu ne nous comprends pas. Car à travers le Messie venu sur terre. Ouais. Ouais. Alléluia. Merci. À travers lui. Et comme dit Esaïe, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que nous croyons, Seigneur? Enlève toute incrédulité afin de recevoir la guérison dont nous avons besoin. Non pas pour nous glorifier, nous, mais pour te glorifier, toi. Seigneur, tu connais celui qui est malade, qui a besoin de toi. Tu connais celui qui est dans le deuil, qui est dans les chaînes, qui a besoin de délivrance. Tu connais celui qui est dans l'attente d'une réponse. Tu parles toujours, aujourd'hui. Tu es vivant, tu es vivant, vivant. Il vit, alléluia. Oui, ma bébé. Merci Seigneur. Soyez bénis, que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. Amen. Que ta parole soit crue, qu'elle soit donnée, qu'elle soit pratiquée. Oui.